Salut à tous, c'est Roman Samadur, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Bravely Default. Allez, on continue notre partie. On s'est arrêté au royaume de Kaldisla, chapitre 5, chapitre What the fuck, qu'est-ce que, puisque, je rappelle les événements, on avait découvert que tout simplement Alternis Dean était en réalité Ringabel, oh my god. Et on est visiblement ramené en arrière au tout début de notre aventure. Je ne sais pas pourquoi, qu'est-ce qui se passe en gros. En tout cas, on va le savoir très vite et on va tout de suite répondre à toutes vos questions et surtout à toutes mes attentes, parce que là, j'ai envie de savoir ce qui se passe. Et je tenais aussi bien entendu à vous remercier pour les 2000 abonnés, ça y est, 2000, c'est fait, c'est incroyable. Et d'ailleurs, la foire aux questions est désormais disponible, vous pouvez à partir de maintenant répondre, enfin demander n'importe quelle question, poser n'importe quelle question, je vais y arriver, sur ask.com, vous avez le lien sur Twitter et je le mettrai bien entendu sur la description de cette vidéo ainsi que les autres vidéos. Je vous laisse au moins 2 semaines pour poser vos questions. N'hésitez pas et je répondrai dans une vidéo à toutes vos questions pour une FAQ numéro 1. Parce que oui, j'espère qu'il y en aura plusieurs, on verra ça plus tard. Bref, sur ce, on continue l'aventure. Ouais, aider, hein. Alors là, c'est vraiment what the fuck. On a l'impression, c'est qu'on est retour dans le passé, là. C'est, vous avez été très nombreux à me dire, d'ailleurs, que vous, que tu vas pas comprendre l'histoire. Ça va être un peu what the fuck. Bon, ben, on va voir, hein. Je vais essayer de comprendre, moi. Je vais essayer de comprendre ce qui se passe exactement. Bon, ben, pour l'instant, faut se casser de là. Ok, faut aller où, après? Ici, non, ici on a fait tout ce qu'on avait à faire. Par contre, je veux bien me regagner. Je veux bien être regain. Alors, est-ce que je peux dormir? Histoire au moins que je me regagne mes PV. Voilà, restez, merci. Merci beaucoup. Voilà. Bli, oui. Merci. Bien. Alors, on se casse. Il faut aller où maintenant? Oui, donc on sort de la ville, parce que je crois qu'il faut sortir de la ville, hein. Il me semble que c'est pas par ici. Alors, donc il faut aller par là. On a l'impression de revivre le tout premier épisode que j'ai upload. Que j'avais upload. C'est dingue, bon, ben, je sais vraiment pas ce qui se passe. Donc, ravin de Nolende, ok, allons-y. Est-ce qu'il y a des rencontres aléatoires? Je pense que oui. Attends, déjà, est-ce que j'ai réglé les rencontres aléatoires? Parce que ça se trouve, je les ai peut-être enlevées. Attendez 2 secondes, parce que sinon, c'est pas drôle, hein. Config, modify. Non, plus 0, non, c'est bon. Non, il y a des rencontres aléatoires. Bon. Ah bah oui, en effet. C'est quoi? C'est des... Ah oui, c'est des... On s'en fout, quoi. Vas-y, tue-moi ça. Et d'un... Et tu es mort. Au revoir, merci. Emballé, c'est posé. Bon, au revoir. C'est... Oui, bon, de toute façon, c'est des monstres... basiques, j'ai envie de te dire. Bon, bah, on va retourner, je pense, au cratère. Hein, où tout... Ouais, je crois que c'est là où il faut aller. Donc, bah, go, 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 hein. Go, 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 go. Qu'est-ce que je fais là? Non, attaque les juste, je suis amplement. Voilà, il y a besoin que de 2 coups et ils sont morts. Voilà, t'es mort aussi. Ah, j'ai maîtrisé ma classe de ninja, tiens, j'avais pas vu. Bon, bah ok, pourquoi pas. Tant mieux, hein, tant mieux. Alors, donc ça, c'est le cratère, oui. C'était le tout début, là où le drame s'est passé. Mmh. C'est tout?
Qui c'est qui approche là? Mais c'est bah, c'est Agnès ça. Visiblement, on a échoué alors. Hein, on a échoué parce que. Ouais, il est toujours là, oui. Hein. Un peu. Ouais, donc c'est comme si on n'avait même pas activé les cristaux. C'est ça? On n'a même pas activé les cristaux de feu, de terre, d'eau et de. C'est tout, je crois. On a trois. Et de lumière, peut-être. Ouais, c'est ça, voilà, c'est ce que je dis. On dirait qu'on est remonté le. On est remonté dans le temps avant le réveil des cristaux. C'est tout à fait ça. Ouh, déclaration. Pécho là. Non, je déconne. Ouh, mais ça devient très intéressant, dis donc. Allez, tease. Allez, tease, je sais que t'en as envie. Oh là là. C'est tout? Pff, pas drôle. Agnès a rejoint le groupe. Ouais! Tease, je me disais. Et si ce monde avait été créé il n'y a pas 5 minutes? Quoi? La doctrine et les textes sacrés de cristallisme, les temples historiques, l'avènement des nations et leur chute, même nos souvenirs! Tout ce en quoi nous croyons pourrait bien avoir été créé il y a 5 minutes à peine. Cette pensée me taraude inévitablement quand je revois le gouffre. Ça voudrait aussi dire qu'on a été créé il n'y a pas 5 minutes. Et pourtant, on a des souvenirs qui remontent pas plus loin que ça. Oui, mais si le monde avait été créé il n'y a pas 5 minutes et nos souvenirs avec? Créé par qui? Ça, j'en sais rien et pourtant. Quand tu te réveilles le matin, ta tête n'est-elle pas pleine de choses qui se sont spontanément produites dans tes rêves? Donc, d'après toi, nos souvenirs de tout ce qui est arrivé ont été créés il n'y a que quelques minutes? Oui, car tu peux affirmer que nous avons vraiment vécu les événements de ce que nous croyons être le passé. Non, non, mais même si le monde a été créé il n'y a que 5 minutes, et que nos souvenirs ont été créés par la même occasion, tout ce que je sais, c'est qu'il faut refermer le gouffre, quoi qu'il arrive. Oui, nous devons refermer le gouffre. Et pour cela, nous devons réveiller les cristaux. Tu... Ouais, quoi? Ah non! Ah non! Ah non! Ah non! Je me retape pas les boss, je me retape pas les donjons, je m'en fous. Le jeu, tu te démerdes, je me retape pas tout. C'est hors de question. Ou alors, sinon, je le fais en 2-2, hein. Mais en speedrun. Bref. Alors, on y va? Oui, allons-y. Bon, eh ben, go, 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 go. Oui, sort. Sort, sort, sort! Bon, moi, j'ai Agnès, ça, c'est bien. Par contre, elle est pas Regen ou si? Ah, si, elle est Regen. Bon, la prochaine fois, vous me dites si vous voulez que je laisse les rencontres aléatoires ou pas. Parce que là, je vais être franc, c'est les mêmes. Hein. Là, vous avez déjà vu ces ennemis, donc je sais pas si c'est très... si c'est intéressant de vous remontrer ça, quoi. Donc, voilà, vous me le dites dans les commentaires si ça vous intéresse pas. La prochaine fois, on voit ce que vous voulez et on fera ce que vous voulez. Allez, descends, descends. Ah, descends dans la montagne, cheval. Allez, descends dans la montagne, allez, tuse. Bon, tu sais quoi? Y. Bon, elle fait obstruction, je m'en fous. Voilà. Ciao, Bella.
Tac, tac, tac. Bon, où est-ce qu'il faut aller après? Ne me dis pas qu'il faut que je refasse... faut que j'aille un nouveau temple. Alors là... Effectivement, ça risque d'être chiant si c'est le cas. À moins que les ennemis soient surboostés, mais ça m'étonnerait. Bon, on verra, on verra. Alors, il faut que j'aille où après? Ok, je reviens au début. Tac, 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 tac. Il faut que j'aille ici. Bonjour. Ah bah c'est Ringa. Enfin. Ringa entre guillemets, hein, entre guillemets. Bah voyons. On verra. Ben, en même temps, logiquement, vu qu'on est retourné dans le passé, au début du jeu, elles sont pas censées de te connaître. Donc, ça me semble logique, Ringa Bell, hein. C'est logique. On aurait dit toi, tout simplement. Toi, tu caches quelque chose. Je sais pas pourquoi, mais tu caches quelque chose. Ah non. Ah non, ah non, ah non. Bah ils vont être pareils. Logiquement, si chaque territoire a subi des malédictions, les cristaux, ils vont pas être réveillés, hein. Ça me semble logique. Bon, au moins je suis content. Tu es là. Zen. 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 Oui, oh, il le croit toujours bien, lui. Du moment qu'il y a des femmes, lui. Du moment qu'il y a des femmes, du pinard, tout va bien avec lui. Hein. Bon. Ah, c'est net. C'est bien ce que je me disais. Ça ne peut pas être une coïncidence, Ringa Bell. Tu veux parler du journal que le chevalier noir interdit a laissé tomber? Oui, mais mis à part quelques différences notables, il ressemble en tout point au journal 2D. Effectivement, mais les similitudes ne s'arrêtent pas là. La deuxième partie est radicalement différente, mais la première, c'est quasiment la même chose. C'est comme si le journal d'Alternis complétait les prophéties du journal 2D. Ils sont si semblables que ça ? Oui, même l'écriture et les termes choisis sont identiques. Ringa Bell, tu veux dire que le journal de D que tu as en main est... c'est... Eh bien, nous pouvons affirmer sans risque que le journal d'Alternis a été écrit par Alternis Dim en personne. Et la partie du journal de D que je possède qui lui ressemble, le journal que j'ai entre les mains qui a bien pu... Ah ! Tout va bien, tout va bien, Ringa Bell ? Ça va aller, laissez-moi juste le temps d'y réfléchir. Ah, c'est ça, allez. Casse-toi. Sauvegarde. J'ai trois potes maintenant. Ouais, on va parler à Idea, c'est bon. Elle aussi, j'ai bien envie de savoir. Mais merde! Je suis où là en fait? Ah oui, je suis là. Elle est là, pardon, j'avais pas vu. Quel con. Minna! Ah oui, c'est très bizarre, oui.
Logiquement, non, parce qu'on a tous nos équipements, on a toutes nos classes et on a tout notre niveau. Donc, il y a un souci quelque part. Toka est désespéré. Non, je déconne. Mais c'est le cas? C'est plausible! C'est l'hypothèse la plus logique pour moi. Parce qu'on a remonté le temps. Oui, d'accord, ok. C'est pas fou. Non, c'est une blague. Oh God. Oh non, mais non, mais vous foutez de moi là, j'espère. Ok, je comprends pourquoi ça va être chiant. Au meilleur moyen de procéder, tu vas au premier cristal, tu le rallumes. Tu vas à l'autre, tu le rallumes. Tu vas au troisième, tu le rallumes. Tu vas au quatrième, tu le rallumes. Pourquoi tu veux procéder? C'est pas compliqué, t'allumes un cristal, tu fais pas chier, c'est tout. C'est comme les phares de Golden Sun. Merci, bonjour, au revoir. Point final. Ok, tease. Bon. Je m'emballe un peu. Voilà. Pas grave. Je suis un peu dans mon monde là. Bon. Eh ben, c'est net. Je vais save. C'est parti. Maintenant que j'y pense, quand je suis arrivé pour la première fois dans ce pays, tu as été la première personne à m'adresser la parole, Ringabel. Vraiment, j'ai l'impression que c'était il y a une éternité. Je me souviens d'être allé te parler après t'avoir aperçu au coin de la rue. Oui, c'est la première fois que nous nous sommes vus. Kesako, là, vous parlez de quoi, là? Mais le Ringabel que j'ai croisé quand j'ai posé le pied pour la première fois dans ce pays. Et le Ringabel qui se tient devant moi pour une raison que j'ignore, on dirait qu'il ne s'agit pas de la même personne. Pas de la même personne? Je ne sais pas quoi te répondre, mais le capitaine Owen a parlé de certaines choses. C'est-à-dire? Il a notamment dit « Retournons chasser le sanglier ensemble, un de ces jours », ou encore « Où es-tu passé ces derniers temps ?» Mais quand je lui ai dit que je ne savais pas de quoi il parlait, il a éclaté de rire et m'a dit que j'étais un petit plaisantin. Et après, je t'ai croisé au bord du gouffre, Tige. Et ensuite, le mage noir Omnias Crowe a mis le feu à la ville et on s'est finalement rencontrés tous les quatre. Mes souvenirs ne reviennent toujours pas. Il ne me reste plus qu'à comparer mon journal de dés à celui d'Alternis. Formidable! Bon, sauvegarde et je vous retrouve tout de suite après. Allez, on continue. Alors attends, il faut que j'aille à l'auberge cette fois-ci. Oh là, bon là, on va faire, je sens, 36 000 détours. C'est génial. Ah non, 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 s'il vous plaît. J'espère que non. Mais forcément, on est revenu dans le passé, soyez logique. Alléluia, on a la veste en latex lubrifié, super. Ben voilà, hein, Ringa Bayla. Merci Ringa. D'accord. Non, mais d'accord. Oh,
Attends, je rêve ou c'est Das ça? C'est Das, ouais. Mais qu'est-ce qu'il fout là? Mais qu'est-ce qu'il fout là, lui? Ouh là 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 là. Il se souvient de nous. Ah, on a l'aéronef. Ah, merci. Heureusement, il y a l'aéronef. D'ailleurs, merci à celui qui m'a donné l'astuce qu'on peut se regain dans l'aéronef. Je ne savais pas. Bon, en tout cas, on a l'aéronef, ça c'est bon ça. Et le cochon aviné. Le cochon aviné. Oh god. Ouais, ça me semble plus logique la version d'Agnès, ouais, tout à fait. Ouais, j'avoue, ouais, ça va être rapide. Allez, prends la barre et surtout, essaye d'éviter de te prendre un rocher, ça serait formidable. Bref. Avez-vous assigné assez d'attaques pour infliger 9999 points de dégâts à vos ennemis? Non. Il s'agit là de la limite de dégâts en jouant normalement, mais il est possible de la dépasser. Lors de Bravely Second, vous pouvez infliger plus de 9999 points de dégâts, sans compter que vous pouvez également soigner plus de 9999 HP. Ah ouais, c'est calé ça. Et il y a plein de petits... attends, je suis où là? Ah, je suis là. Et il y a plein d'événements là. Ouh, il y a plein de trucs bleus là. Ouh. Je ne sais pas ce que c'est, mais je vais y faire un tour. Non, je pense qu'on va réparer l'escaloigne et continuer à l'utiliser. Mais qu'est-ce qui se passe? Eh bien, j'étais en train de parler de l'escaloigne à Das et Zats et ils ont eu une idée. Une idée? Pour l'escaloigne? Ouais, tout à fait. À l'heure actuelle, on l'utilise pour naviguer, mais comme vous le savez, l'escaloigne est en fait un aéronef. C'est vrai, la pierre céleste qui lui permet de s'élever dans le ciel a été détruite. Ouais, j'en ai entendu parler. Mais il reste un aéronef, bien sûr, et on peut l'utiliser pour parcourir les mers, mais pas aussi bien qu'avec un vrai navire. Heureusement pour nous, grand navire regorge de bateaux en état de naviguer. Vous n'avez qu'à vous en servir. Si vous voulez, on peut même en apprêter un pour vous. C'est de ça qu'on parlait. Un autre navire, mais l'escaloigne me convient très bien comme ça. Et il est assez rapide pour ce qu'on recherche. Tout à fait, mais surtout, nous y sommes attachés. Oui, c'est là que j'ai livré ma première bataille, après tout. Et même si je me souviens pas de l'avoir déjà piloté, j'en ai pris la barre avec une facilité déconcertante. On a quand même passé un sale quart d'heure quand il nous a attaqués. C'est vrai, mais ça m'a permis de te rencontrer, Tiz, et les autres aussi. Et depuis, l'escaloigne est un petit peu le cinquième membre de notre groupe. Bien, j'imagine que la question était réglée. Ouais, vous êtes attaché au vieux Rafio, et j'ai l'impression que j'arriverai pas à vous faire changer d'avis. Ça, c'est sûr. Mais on compte sur vous pour maintenir l'escaloigne en état de naviguer. Bah évidemment, laissez-le à nos bons soins. Encore? Ok. Oui, Ringabel. Il se repose un peu, il a dit qu'il ne se sentait pas très bien. Vraiment? Il ne vient pas de dire, je prends la barre. Pourquoi le cherches-tu, Edea? Das a besoin de lui. Il dit que la coque commence à être très usée. Il lui faut du matériel pour effectuer les réparations. J'imagine que je vais devoir le réveiller. Ouh.
Hé, il dort comme un bébé! Qui aurait cru qu'il pouvait être aussi mignon en dormant? Oulala, Ringabelle et Edea, Ringabelle et Edea, bref. Moi, frappe navire, frappe négative, excuse-moi, je sais pas dire, maîtrisé, fleur noir, déchaîné, hein, puissant, cron-cron-bon, mais même en ayant mille vies, persévérance, phénix, automatique, récupération spontanée, bon blablabla, des PV après le combat, j'oublie quelque chose, blablabla. Grand maréchal, même son coup à lui, ça sera excellent, blablabla. Ça suffit de marmonner comme ça, tu vas te réveiller, flemmard! Réveille-toi, Nest te cherche! Quel mal a-t-il... Quel mal y a-t-il à le laisser dormir un peu plus? Regarde, Ringabelle a l'air aussi heureux que cochon se prélançant dans la boue. Oh purée, t'as de ces expressionnistes, mon dieu. Ça c'est vrai! Bon, c'est bon, vous avez fini vos enfantillages, merci. Formidable. Alors, examinez. Qu'est-ce qu'il y a là? Quoi? Mais je vous ai démonté, vous! Ah, vous voulez encore que je vous massacre? Oh, mais y'a pas de soucis. Mais tu sais que tu m'excites à dire ça? Y'a un problème? Ouais, quelle honte, je m'en fous, tu peux dire que c'est une honte. Elle est avec moi et elle va te déglinguer. À vous la deuxième round, mais y a pas de souci. Ok, baston. Ouh, je vais les déglinguer une deuxième fois. Ah, vous avez une sacrée surprise. Oh putain, j'ai peur. Ouh là 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 là, putain, j'ai peur. J'ai déjà entièrement guéri nos blessures. Ouais, c'est ça. Ouais, bla 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 bla. Les anciens, mais les anciens, ils sont vieux, ils servent à rien. Ils ont des rides, ils sont moches, ils puent. Et je vais les démolir. Ah, c'est ça, ouais. Bla 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 bla. Voilà. Allez. Tout sans défaut. Montrez-moi ce dont vous êtes capable. Voilà ce que j'en pense. Bon. Waouh. Ah oui, quand même, tu fais un peu mal. Bon, j'avoue. J'ai peut-être souci. Bon. Ninjutsu. Non, pas intouchable. Utsutsumi. Bon, j'avoue, ils sont un peu plus forts. Ils sont quand même un peu plus forts. Raté. Aïe. Touché. Default. Ninjutsu. Et toi, default. Aïe. Ok, j'ai mal. Bon. Traite de bordage, c'est l'heure de prendre cher. Tranche l'air. Compétence. Que le feu brûle ta chair. Barras. Putain, il a quand même 225, cet abruti. Magie blanche, soin 3. Soin 3. Purge. Et attaque. Oui, attaque. Ringabelle, dit. Et Déa. Spécial. Ombre de lune. Compétence, non, attaque. C'est parti.
M'en fous, même si t'as 125% en défense, tu vas prendre cher. Ok, tu prends pas très cher. Par l'ombre de lune, piou. Pas mal. Prends ça dans ta gueule. Pas mal, Edea. Bien joué, bien joué, bien joué. C'est ça qu'on aime. Vling, vling. Tiens, au revoir ton bonus. Tonifiant. Ouais, c'est ça, tonifie-toi. Olé. Et olé. Et aïe. Là, j'ai eu mal. Pas grave. Compétence. Où tout est mis? Tout s'est mis. Tout le monde là? Tout le monde là. Formidable. Brave, brave, brave. Ciblage, est-ce qu'il fait un... Non, allez, attaque, 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 attaque. Et toi, t'as où tout s'est mis? Ouais, 10 fautes. Ah, il aime pas, là. Là, il a mal. Là, il a bobo, hein. T'as bobo, hein. T'as popo, même. Oh, oh, oh. Pardon. Blague. Oh, merde, mais merde. Je fais n'importe quoi. Oh, putain. Aïe. Aïe. Ah, bah, c'est pas plus mal. Ça rattrape ma bourde. Merci, ça rattrape ma bourde. Ah, franchement, je te remercie. Franchement. Ah oui, mais non, parce que... non, ça le ramène à 4 de... ouais, à moins 4, merde. Bon, oh, c'est pas grave. J'ai peut-être un peu sous-estimé mon adversaire. Aïe. Bref. Soin 3, soin 3, purge, et attaque. Et toi, où tout est mis? Voilà, adieu ton bonus. Raté. 2-3 000 dans la gueule. Ouais, tout ça, tonifiant. Je m'en fous. Je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous. Je m'en fous, j'en ai rien à battre. Par contre, où tu t'es mis, s'il te plaît? Attaque, attaque, attaque. Toi. Eh ben, où tu t'es mis, hein, écoute, hein. Et toi. Allez, là, là. 10 fautes. Tu as crevé, oui! Putain, mais il a combien de PV maintenant, lui? Ça va, pas trop de craquer! Putain, j'ai pris cher! Je prends cher, quand même. 10 fault. Par contre, là, tu vas soin! 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 Voilà. Raté. Ok. T'es un enfoiré. Je te hais. Buzzboard. Default. Et toi, tu vas le regen. Merci. Putain, stop l'on. Putain, stop. Stop, tuer Ringabel, merci. Ah là 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 là. Je vais pas se tuer. Plume. Et potion, merci. Ah, j'avoue que qu'ils sont plus forts là, les deux. Raté. Raté. Et 3000 dans la gueule. Où tout est mis? Default.
Et où tout s'est mis? Aïe! Elle est très chiante avec sa magie. J'aurais peut-être dû commencer par elle, en fait. Bon, j'ai envie de te dire, ce qui est fait, hein, n'est-ce pas, n'est-ce pas, n'est-ce pas? Donc tous, tous, quoique, ben non, tu vas faire cas par cas. Bon, ça va bien baisser ma magie, mais c'est pas grave. Voilà. Et toi, toi. Et merde! Bon bah tant pis, Ringa. Il n'y aura pas de soin pour toi. Voilà, on est quasiment tous full soin. Alors, Utsutsemi, default. Utsutsemi et plus Regen sur Ringa. Et ne le tue pas, s'il te plaît. S'il te plaît. Voilà. Parfait. À moi. Bon, je les ai, j'avoue, mais vraiment sous-estimés. Donc, va falloir faire très attention. Donc, x4, écoute. Lui, il faut vraiment qu'il se casse. Il commence à être très, très chiant. Allez, vous n'allez pas où sous mis. Ouh. Wait. Et t'as pas ton spé? Non. Tout s'est mis. Et. Toi, tu y es déjà. Tu vas par contre use Maxi Potion. Voilà, je vais rattraper ma connerie, c'est bon. Elle est presque rétablie. Crevez, oui! Ok. D'accord. Non, mais d'accord. Il y a nos sous-sailles, hein. Il y a nos sous-sailles. Ok, il y a sous-sailles. Ok. Critique dans ta gueule. Merci, c'est gratuit. Putain, vous avez laissé tranquille ce pauvre Ingabel. Il a rien demandé à personne. Putain, tu vas crever toi. C'est lourd. Bah oui, on s'est mis encore. Hein. Du coup, bah du soin, écoute, hein. Soin 3. All or not. All or not. Non, pas or not. Donc, pas all. Soin. 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 Et putain, j'ai plus de PM. Où est mon Maxi Ether? Maxi Ether. Il faut. Oula, il rigole pas, le Barras. Il rigole pas, le petit Barras. Raté. Touché. Raté. Et là, il y a du combat. Bon, par contre, va falloir que vous me dites dans les commentaires si vous voulez revivre ces combats ou pas. Parce qu'en effet, là, ils sont beaucoup plus forts. Mais vous me dites si ça vous intéresse ou pas que je refasse ces combats. Parce que bah, je vais être franc, c'est les mêmes, hein. On les a déjà affrontés, mais bah dites-moi si ça vous intéresse quand même. Ça peut ne pas vous intéresser, ce que je comprends tout à fait. Donc. Vous me dites. Default. Default. Et toi, on va envoyer la sauce. Super popo. Et attaque, attaque, attaque. Crève, et Barras, crève! Raté! M'en fous! Default! You too, Tsemi! Default!
Frog. Ah, tu peux faire bouclier. Hein. Tonicien, ouais, j'ai peur. Raté. À moi. Ah merde. Il y a Tiff. Je disais à moi. Spécial coupe et taille. Théox s'est mis attaque, attaque, attaque. Putain, on va le démolir. Tu t'es mis default, default. Putain, mais tu vas crever, oui. Toujours pas, hein. Aïe. Il a combien de PV, sans déconner, lui. C'est chaud. Par contre, je commence à être juste niveau PV. Donc, soin 3. All. À moi. Attaque, attaque, attaque. Et attaque. Et toi, Ututim. Il a pris quand même bien cher. Parfait. Ah ah, elle le regaine, donc ça, ça veut dire qu'il... Heureusement, heureusement que j'étais en Ututemi, parce qu'alors là, j'étais dans la merde. Je te raconte même pas, je te raconte même pas. Bon, ok, elle rigole pas là. Ok, si je suis pas en haut toutes ces mises, je suis mort. Ouais, ben on te regagnera plus tard, hein, Agnès. Ok, 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 j'ai compris. Eh ben, ben tu sais quoi, t'as qu'à te suicider, j'en ai rien à foutre. Suicide-toi si tu veux. Ce n'est pas mon problème. Voilà. Bien joué, abruti. Voilà. Et donc. Non, il est mort. Ouh, c'est chaud entre eux. Allez, reste plus que toi. Ridicule ton soin. Ridicule. Ah, par contre, où tout s'est mis, ça va pas servir en grand chose. Bah, vous allez faire du default, hein, les gens du default. Ah, quoique, elle peut attaquer quand même. Ouais, si, où tout s'est mis. Non, pareil, pardon. Et toi, tu vas regain, s'il te plaît, Agnès. J'espère qu'elle va pas faire son, son espèce de tourbillon. C'est un R. Voilà, je vais y arriver. Non, ne fais pas R. Enfoiré. Enfoiré. On va rester poli. Enfoiré. Sus. Bref. Alors. Je vais les regagner, écoute, hein. Allez. Debout. Ok, couché. 10. Bonjour. Au revoir. Je suis mort à nouveau. Ça va être un peu chaud en fait. J'aurais dû commencer par elle. Raté. T'es mauvaise. Bref. Hein. Bon, c'est bon. Là, on est mieux. Là, on est un peu mieux, j'ai envie de dire. Ah merde, je suis pas en haut toutes ces mis. Bah, toutes ces mis, les mecs. Ah.
Putain! Fais chier. Ah! Ah! Comment ça fait chier là? Ah bah ouais, vie hein! Ah oui! Ah! Mais non! Putain, fais chier! Bon, ça va. Il a survécu, bon. Quoique. Ouais, non, tu vas lui faire du soin 3 là. Forcément, tout à fait. Allez, fais R, je sais que t'en as envie. Ah non. Ouais, c'est bien, continue de faire que des attaques au corps à corps, ça m'arrange énormément. Franchement, hein. Non, vas-y, continue, fais-toi plaisir, c'est la fête du slip. Fais-toi plaisir. Alors, attaque. EDA. Ma petite. Tsunami fatal. Impeccable. Ensuite. Max Potion. D'accord. Mon truc est en train de cracher d'une violence extrême. Bon, cherchez pas. J'ai entendu. Bon, on s'en fout. J'ai enlevé. Oui, attaque. Et attaque. Tu as crevé, oui! Voilà! C'est bon ce coup critique! Ouh, pas mal, 2400, pas mal. Raté! Touché! Où tout s'est mis, tu l'as, toi tu l'as, ok, donc default, toi tu ne l'as pas, c'est mis, default. Parfait, éphémère, ouh, ce critique, qui me fait bander comme un taureau. Oui, parce que je suis du signe du taureau, enfin bon, qu'importe, je raconte ma vie, on s'en fout. Allez, tout le monde en default. Ça va lui faire ça. Oui, t'as raison. Ah, ça fait plus rien. Je me baigne dedans. Je vais te glacer. Je vais glacer ton sang. Tu vas aimer. Tu vas souffrir. Il est temps peut-être que j'utilise des Max Ether là. Max Ether. Attaque, default. Special, ombre de la lune. Attaque. Par l'ombre de la lune, katana. Et hop, un autre critique. Ouais, elle prend très cher là. Hein, t'aimes bien. Infinité. Et hop là! C'est tout! Ah! Vos aînés! Mais je m'en fous! Mais j'ai aucun scrupule, sale gosse! Oh, j'aime quand tu me dis ça! Ça m'excite, tu ne peux pas t'imaginer! Je me frotte les mains même! Exactement! Ah, j'aime quand tu me parles comme ça! Allez, à plus sous l'autobus! Et j'ai gagné que dalle de XP, mais par contre, je gagne énormément de points de compétences. Bon, soit. Mais voilà! Et un problème réglé. Un. Oui, ils étaient plus puissants. Il faut dire ce qui est. Ah non, d'accord. Ils ont complètement autre chose. Effectivement. C'est tout?
C'est super ce que vous avez dit, dis donc. Mais qui a changé? Ça y est, j'ai compris! Qu'est-ce que tu as compris, Edea? Oli et Barra sont dû nous croiser il y a très peu de temps. Comment ça, nous? Ah, je vois ce que tu veux dire, ça expliquerait leur réaction. Ils ont rencontré nos nous de ce monde? Alors là, je ne suis plus du tout. En y repensant, ils m'ont fait une impression complètement différente, ils n'étaient plus les mêmes que la première fois. Tu veux dire que leur cœur n'était pas noir? Je dirais plutôt qu'il m'était impossible de les détester. C'est peut-être parce que je l'ai croisé pour la première fois, mais je suis d'accord avec Edea, leur cœur ne semblait pas noir. N'est-ce pas parce qu'ils sont différents de ceux que nous avons croisés auparavant? Ou bien peut-être est-ce nous qui avons changé? Je me le demande, mais personnellement, je ne crois pas avoir changé. Non, toi, rassure-toi, t'as pas changé d'un iota. Ça c'est sûr, tu n'as pas changé. Ah bah c'est exactement ce qu'elle dit. Ah, je pense comme Edea. Oh mon dieu. Bon, bref. Mais tu peux y travailler. Ah là là là. Bon. Eh ben voilà, formidable. Bon, eh ben du coup, on va s'arrêter là pour cet épisode. Vous me dites ce que vous voulez pour la prochaine fois. Est-ce que je vous montre d'autres combats, enfin donc les combats qui nous restent, hein, rechoper toutes les quêtes, on va dire, faire tous les boss des quêtes annexes, comme vous voyez là, tous les points bleus, donc vous me dites si ça vous intéresse ou pas, ou alors ce qu'on fait, c'est qu'on va directement au cristaux et je vous montre ces phases-là. Donc voilà, vous me dites ce que vous voulez dans les commentaires et puis on fait ça pour la prochaine fois. Allez, sur ce, comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, à aimer et à vous abonner à la chaîne et je vous retrouve très vite pour nos aventures, pour la suite de nos aventures, sur la chaîne KCG. Sur ce, portez-vous bien et à la prochaine. Ciao, ciao.